Salut les girls! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma petite morning routine. Donc là je suis un peu sur mon téléphone quand je me réveille, je slide un peu les vidéos sur Instagram parce que j'ai envie de rigoler un petit peu dans ma vie parce que voilà, je m'ennuie un peu dans ma vie. Donc je suis un peu surprise par cette vidéo comme vous pouvez le voir. Donc là je prends plein de selfies parce qu'il faut que j'envoie absolument mes flammes à tous mes amis parce que sinon c'est la fin de ma vie. Comme vous le savez, donc voilà, vraiment je peux pas survivre sans mon téléphone. C'est la première chose à laquelle je pense. Je pense même pas à ma sœur quand je me réveille. Donc là, il faut que je me lève parce que sinon ma mère va me tuer. Hein, je pense que... Et aussi ma sœur va débarquer dans ma chambre et me réveiller comme chaque matin. Je me lève sans faire mon lit, donc vraiment c'est un quotidien, je fais jamais mon lit. Putain, elle va me tuer. Là, je sais pas trop ce que je fais. Ah non, j'éteins mes lumières parce que sinon je consomme de l'électricité et c'est pas bon pour la facture. Par contre, elle joue à quoi là? Oh, je repars encore sur mon téléphone parce que je suis très addict à mon téléphone. Oh, je mets du Aya Nakamura, vraiment ma sauce. Vraiment, cette meuf, je la kiffe. C'est vraiment... C'est voilà quoi, c'est ma sauce. Je vais ouvrir ma fenêtre tout en écoutant ma meilleure musique de ma chanteuse préférée du moment, Aka Aya Nakamura, vraiment. Par contre là je sors dehors et je me rends compte qu'il fait hyper hyper froid, donc je reviens en fait. Je reviens très très vite chez moi parce que je veux pas mourir, je ne veux pas souffrir. C'est le moment fatidique où je dois faire mon lit, donc vraiment je vous raconte même pas à quel point c'est une souffrance. C'est vraiment chiant de faire son lit. Vraiment, qui fait son lit en 2018? J'avoue, un peu tout le monde. Ouf, je peux enfin souffler. Regardez, j'ai fait mon lit, j'ai tous mes doudous. D'ailleurs, j'en ai beaucoup. Un peu trop pour mon âge, je pense. Voilà, mon dieu. Là, vaut mieux pas que je vous explique ce que je fais parce que vous-même, vous savez. Après ça, c'est petit tour à la salle de bain pour me rafraîchir un peu le visage parce que vraiment, on a tous besoin d'un rafraîchissement le matin parce que c'est très très difficile de se réveiller. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je suis grave iconique. Ah non, pas du tout, en vrai. Après ça, faut que je retourne à mes petites activités, c'est-à-dire aller dans le couloir et répondre au fixe qui vient de sonner parce que vraiment, c'est mon devoir de faire ça et de bablater avec tout le monde et voilà. Là vient l'heure du petit déjeuner, donc c'est très important pour moi de manger très bien le matin parce que comme vous savez, une dure journée commence, c'est-à-dire l'école, c'est très très difficile pour moi. Je rassemble tous mes produits que je kiffe, c'est-à-dire tous mes gâteaux préférés, mon oasis aka la base de tout et je vais aller manger ça. Avaler ça et voilà. Par contre, j'ai vraiment pas le sourire et j'ai une tache blanche dans mes cheveux, enfin sur mes cheveux. Et vraiment, rien ne va dans ma vie et je continue de vivre quand même, tu vois, parce qu'on est là. Là, je vais répondre un peu à mes amis parce que oui, j'ai des amis, je suis pas solo. On me parle un peu sur Snapchat, donc je réponds à tout ça et... Là vient le moment où je dois m'habiller pour aller en cours parce que sinon bah ça va pas trop. Là je suis un peu sur mon lit parce que je sais pas trop quoi faire. En fait j'ai vraiment pas de vie et je me questionne sur ma vie à ce moment là. Et il est temps, je suis sur mes habits. C'est très important tout ça. La météo les gens, la météo. Après une heure de recherche j'ai enfin trouvé les habits et... Je vais me changer. Let's go. Oh my god, petit coup de magie. Je suis déjà changée. Waouh, trop bien. Rachel vient de m'envoyer un message, donc du coup, je voulais vous le partager. Vraiment, c'est cadeau. Faut vraiment que je brosse mes cheveux. Du coup, je repars dans la salle de bain et... ça brosse, pla pla pla, la brosse, on essaye de faire une belle coupe parce qu'il faut grave être présentable et avoir sa meilleure tenue pour défiler dans les couloirs de l'école. Petit coup de parfum, pchit pchit, ça sent bon, je vous raconte même pas. Donc là j'ai mon petit collier qui m'a été offert par ma tante. Ce jour-là, je commençais à 10h, du coup, je regarde un peu Netflix, les vidéos YouTube et tout pour passer le temps parce que je me suis grave réveillée tôt.
bordel. C'est bientôt l'heure d'aller à l'école, donc du coup je prépare toutes mes affaires, tout ce dont j'ai besoin dans la matinée parce que je mange pas à la cantine et voilà. Je mets mes meilleures chaussures que ma soeur m'a offert, vraiment elles sont trop belles. Je l'aime trop ma soeur, vous savez c'est vraiment la best. Donc voilà, c'était tout pour ma petite morning routine. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis ciao !